sa vie de famille, classe égale à HRL, Cathy Perry a fait le choix de la protéger. La chanteuse et maman de la petite Daisy Dove n'a jamais exposé le visage de son bébé. Mais c'est en revanche fendu d'une touchante déclaration pour son anniversaire. C'est sur Twitter que Cathy Perry a posté son message. La star, suivie par près de 110 millions d'internautes, a publié un statut à l'attention de sa fille Daisy Dove, qui a eu un an le 26 août 2021. « Ma vie a changé il y a un an jour pour jour. Point. Joyeux premier anniversaire ma Daisy Dove, mon amour », a simplement écrit Cathy Perry sur Twitter. À ce jour, la seule photo existante de Daisy Dove est un cliché en noir et blanc publié par le compte Instagram de l'UNICEF. Montrant sa petite main et celle de ses parents, Cathy Perry et Orlando Bloom. Cathy Perry a effectivement commencé une nouvelle vie le 26 août 2020, date de naissance de son premier enfant. Daisy Dove est le deuxième pour l'acteur Orlando Bloom, aussi papa d'un garçon. Flynn, 11 ans, né de son premier mariage avec le mannequin Miranda Kerr. Cathy Perry et Orlando Bloom sont en couple depuis 2016. Ils se sont fiancés à la Saint-Valentin. En 2019, Cathy a évoqué leur histoire d'amour et leur vie de famille dans une interview accordée au magazine L'Officiel et publiée en juin 2021. « J'ai toujours eu l'impression de traîner une petite douleur dans mon cœur au sujet de l'amour », a-t-elle confié. Et mon fiancé a bien contribué à l'estomper. Il est là, cet amour est bien là. J'avais entendu parler d'amour inconditionnel, mais maintenant j'en fais vraiment l'expérience. Je ressens une forme de plénitude. Guillaumet. Cathy avait ajouté, « J'ai pu le voir dans son rôle de père, des étoiles plein les yeux. Sa façon d'être présente à ses côtés, les efforts qu'il fait, son implication ont joué un rôle dans ma décision. Je me suis dit, c'est le père de mes futurs enfants. Regarde sa gentillesse. Son empathie, le soin qu'il prend, sa tendresse. C'était exactement ce que je recherchais. » Guillaumet. Cet été, Cathy, Orlando et Daisy Dove vont enchaîner les voyages. La petite famille s'est notamment rendue à Venise, en Turquie, à Paris puis à Capri.